Jean-Michel, Cécile? mon ptérodactyle Paulette s'ennuie un petit peu. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, ça devient un petit peu long. La physique ne pourrait pas créer un petit animal de compagnie pour s'amuser avec Paulette? Écoute, ça tombe bien. Ouais. Il y a Maurice. Maurice? Oui, je te l'ai pas encore présenté. Mais C'est non. Maurice. Ah, mais qu'est-ce? C'est mon poisson rouge domestique. Ah, Eh bonjour Maurice. oui, mais il est dressé. Waouh. Voilà, tu vas par exemple, dis-lui, là il y a la surface, Oui. dis-lui de plonger. Plonge, Maurice, plonge! Wow! Et vas-y, il remonte. T'as vu? Mais il est trop fort, ce Et Maurice! même entre deux eaux. Maurice, au milieu! Dis donc. Bon, j'imagine que c'est de la physique, tout Ben oui, ça. c'est un ludion. Un ludion. Oui, c'est le nom de ce dispositif. Ah. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire descendre et monter Maurice, j'appuie sur la bouteille fermement pour D'accord. augmenter la pression dans l'eau. OK. Pourquoi? Dans ce sachet de ketchup, Oui. il y a toujours une petite bulle d'air. Oui. Ça veut dire que la poussée d'Archimède, et oui, encore Oui, Archimède, encore lui. qui s'exerce sur le sachet est plus grande que le poids du sachet. Or, je te rappelle que la poussée d'Archimède est égale au poids de l'eau déplacée. Quand j'appuie sur la bouteille, j'augmente la pression, Oui. la bulle d'air se contracte, D'accord. le volume du sachet de ketchup diminue, donc l'eau déplacée, le volume d'eau déplacée diminue, la poussée d'Archimède diminue, et elle diminue suffisamment pour ne plus compenser le poids. Voilà. Et D'accord. là, quand on appuie de manière intermédiaire, on peut se débrouiller à ce que la poussée d'Archimède soit parfaitement égale au poids et le faire flotter entre deux eaux. Donc pour le fabriquer, vous récupérez des sachets de ketchup. Faire attention parce que des fois, il n'y a pas de bulle d'air dedans. Ah, Donc il vaut mieux prendre plusieurs sachets, on met de d'accord. l'eau dans Sans bulle l'évier. d'air, ça ne marchera pas. Non, on les met dans l'évier et ceux qui tombent au fond, c'est les poissons morts. Voilà, Oh, ils peuvent pas. Voilà. ouais, non. Ceux qui flottent vraiment beaucoup, c'est pas Oui. top non plus parce qu'en appuyant, on n'arrivera pas suffisamment à appuyer suffisamment fort pour faire réduire. Donc il faut que ça flotte juste un peu entre deux. D'accord. Et ensuite, on prend une bouteille et il faut la remplir vraiment ras-bord. Vous voyez, il y a presque pas d'eau, une toute petite Ah bulle. oui, Parce d'accord. que si on a trop d'air à l'intérieur, Ouais. quand on appuie, ça réduit le volume de cet air-là et ça Et ça réduit ne fait pas pas bouger. suffisamment le volume, ça ne fait pas bouger. Ça marche avec un sachet de mayo? Non mais t'as déjà vu? Non, il c'est pas rouge. Ah ben non, Bah non, donc non. tu vas pas faire un poisson rouge avec de la mayo. D'accord, Jean-Michel, Alors, après, ok. si tu vois un poisson blanc, un poisson Non, 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 jaune. on a compris, on a compris. Bon, ben Voilà. très bien, Hein? écoute, nous avons encore appris quelque chose aujourd'hui, hein, Voilà. Paulette? Merci, Jean-Michel. Mais si, Jean-Michel, merci. Merci la physique. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Mais non, mais je vais Jean-Michel! faire juste, je vais...